Good morgen, Aleiden, les Suisses aujourd'hui, le Nishmat, Abraham, Mordechai, Ben Israq, Befani. Si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechat Moed Katan, Père Gimel, Mishnah, Yaakover, et Meto. Shlosha Yamim Kodem la Regel. Batla Emenu Xerat Shiva. Shmona Batla Emenu Xerat Shloshim, Mipene Shamru. Shabbat Ola, Ve'eina Mafseket, Regalim Mafsekin, Ve'enan Olin. Je commence à traduire d'abord. Vous allez voir, vous allez plus ou moins connaître les principes qui sont évoqués. A kover et meto, shlosha yamim kodem la regel. Celui qui enterre un mort de proche, sur lequel il doit prendre le deuil, 3 jours avant la fête. Avant les fêtes, donc par exemple les Shavuot, les Pessah. 3 jours avant Pessah, avant Shavuot, il a eu un proche parent qui est décédé. Il l'a enterré. Donc en théorie, la question de la problématique de la Mishnah, elle est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec toutes les lois de Avelut. Est-ce qu'il faut les mettre en pratique pendant la fête? Est-ce que si on a commencé avant, est-ce qu'il faudra compléter après les fêtes? Le principe que tout le monde connaît, que dès qu'on est enterré avant les fêtes, la fête arrive et annule l'enterrement, annule la Avelut. Ça va être le sujet de notre Mishnah et on va l'expliquer un petit peu mieux. Il y a quelques petites erreurs qui sont fréquentes sur le sujet. D'abord, on lit la Mishnah n'est pas selon la halakha, c'est pour ça qu'on parle de 3 jours. Mais on expliquera après d'abord. D'abord, on va sur la Mishnah. Donc, il y a 3 jours avant la fête. Alors, la Mishnah me dit, ben, Batla Hemenu Gzerat Shiva. Ça a été annulé sur lui le devoir de Gzerat Shiva. Le décret des 7, les lois relatives aux 7 jours de deuil. Vous savez bien que quand quelqu'un est en deuil, il passe 7 jours où il n'a pas le droit de se laver. Il n'a pas le droit de se changer les vêtements. Il a, d'accord, il reste assis par terre. Ça, c'est plus un binaque, c'est moins. Mais donc, il y a toutes sortes de veloutes. Et une fois que se finissent les Shiva, alors il a le droit maintenant de se relaver. Entre parenthèses aussi, il y a une halakha interdite d'aller avec sa femme pendant les 7 jours. Alors, dans les 30 jours, ça devient permis. Mais pendant les 30 jours, il doit quand même continuer à préserver quelques lois de veloutes. Notamment. Essentiellement même, je dirais, l'interdit de tisporet, de se couper les cheveux. D'accord? Ça dure pendant 30 jours. Alors, la Mishnah me dit, s'il a commencé à prendre le deuil pendant 3 jours avant la fête arrive, annule la Xerat Shiva, les lois relatives aux 7 jours. C'est-à-dire qu'il a commencé donc 3 jours, il reste 4 jours à compléter en théorie, il y a les fêtes, ni il prend le deuil pendant les fêtes, bien évidemment, parce que pendant les fêtes, il n'y a jamais de deuil. Ni il complétera les fêtes, le deuil après la fête. Ok? Et par contre, s'il a pris le deuil Shmona, 8 jours avant la fête, 8 jours avant la fête, il est son proche parent qui est décédé, donc il a déjà fait les 7 jours de deuil. Et en plus, il est même rentré maintenant dans le cycle des 30 jours. Ah, il a commencé le cycle des 30 jours, arrive la fête et annule, interrompt le cycle des 30 jours aussi, et après il n'aura plus besoin de compléter du tout. Il n'y a plus de loi relative au deuil. Batla emenu gzerat shloshim. La loi des shloshim, c'est interrompu. Mipene shamru, car ils ont dit, le décret nous dit, Shabbat ola ve'ena mafseket. Les jours de Shabbat sont comptabilisés. Olé, ils montent dans le décompte. Ils sont comptabilisés. Ve'ena mafseket, mais n'interrompent pas le deuil. Tandis que regalim, les fêtes, les 3 fêtes, eh bien, Mafsikin, ils interrompent le deuil, tandis que Ve'en Anolim, mais par contre, ils ne sont pas comptabilisés comme des jours de deuil. Bon, il y a plein de choses à éclaircir. Tout d'abord, je vous ai dit déjà depuis le début que la halakha n'est pas comme cette Mishnah. La Mishnah nous dit qu'il faut avoir le minhag de 3 jours de Avelut pour que s'annulent les lois de 7 jours. Pour la halakha, on tient que même si ça dure pendant 1 heure même, ça suffit déjà pour que ça s'annule. Dès qu'on a même pris un tout petit peu, parce que Mixata Yom Kekulo, même passer un moment, même avoir pris le deuil, mais l'essentiel, il faut avoir pris le deuil. Maintenant, peut-être que maintenant, on va commencer par expliquer un peu plus profondément la raison qui est rapportée dans le long Barthénora de la fin, que pendant la fête, ça c'est certain, pendant la fête, il n'y a aucun usage de deuil. D'accord? Pendant la fête, on a le droit de se laver, on a le droit de même endeuiller, et tandis que pendant Shabbat, ça, c'est une différence fondamentale. Pendant Shabbat, le deuil continue. On n'a pas le droit d'exprimer le deuil, mais le deuil, on le garde à l'intérieur. Soit
On n'a pas le droit de se laver même pendant Shabbat, même avec de l'eau chaude, l'ordelier n'a pas le droit de se laver pendant Shabbat s'il veut. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports conjugaux avec sa femme. Il y a encore toutes sortes de halakhot qui font que le Shabbat, alors le Shabbat, puisque finalement il reste quelques petites lois de deuil, il s'avère que le deuil qui a commencé avant Shabbat, arrive le Shabbat, c'est vrai qu'on va l'alléger beaucoup des lois du deuil, mais malgré tout, puisqu'il y a encore quelques lois qui sont en vigueur, donc le Shabbat, il est comptabilisé. Pour les fêtes, ça ne fonctionne pas comme ça par rapport aux 7 jours de deuil. J'explique. Par rapport, s'il y a eu un défunt pendant la fête, alors on va l'enterrer bien évidemment pendant la fête. Imaginez pendant le mois de Pessah, par exemple, il va y avoir le défunt, on va l'enterrer, mais les proches parents ne vont pas encore prendre le deuil. Il n'y a pas de deuil chez eux. Ils démarreront le deuil que après la fête. Alors, puisque maintenant ils n'ont fait aucun usage de deuil, parce que ils n'ont pas le droit pendant la fête, il n'y a pas de deuil. Il y a quelques petites lois, un petit peu en vigueur, mais ça ne s'appelle pas qu'ils ont commencé les lois des 7 jours, interdit de se laver et de se changer les vêtements. Ils n'ont pas commencé même pendant les fêtes. Ils avaient le droit de se changer, ils avaient le devoir de se changer. Puisqu'il n'a pas commencé les lois des 7 jours, donc tous les jours de fête qui passent en ce moment, eh ben, c'est pas comptabilisé comme les 7 jours de deuil. Se finit la fête de Pessah, alors là, il démarrera, il prendra les 7 jours de deuil. Et c'est écrit, mais faudra chez le poskim, même si j'ai déjà eu un proche parent l'année dernière qui est décédé, et il y a eu des rabbanim qui ont dit autrement, je sais pas d'où c'est venu. En tout cas, chose de sûre, c'est que s'il n'y a pas eu de deuil qui a commencé pour les, par rapport aux 7 jours, alors les jours de fête ne sont pas comptabilisés comme des jours de deuil. On finit les 7 jours, on finit la fête, et on démarre les 7 jours de deuil entiers. D'accord? C'est ce qui est écrit à la fin de la Mishnah, que le Shabbat, c'est comptabilisé et ça n'interrompt pas le deuil, tandis que la fête, ça interrompt le deuil, mais c'est pas comptabilisé. C'est-à-dire, si le deuil il a commencé avant la fête, alors arrive la fête dégomme tout, elle arrête tout. Elle annule toutes les lois qui sont. Alors selon le cas, si on est déjà on est que dans le cycle des 7 jours, arrive la fête. Et interrompre le cycle des 7. Après, il faudra quand même continuer l'usage des 30 jours. Si on a commencé l'usage des 30 jours, le deuil des 30 jours après la première semaine, on a commencé, eh bien, arrive la fête, et la fête, de nouveau, interrompt les lois des 30 jours, et on ne complétera plus après. D'accord? Il n'y a que si on a commencé, qu'on a fait un petit peu, mais on n'a pas fait les shloshim avant la fête, arrive la fête, elle annule. Elle interrompt les lois des 7 jours et on continuera à préserver quand même les lois des 30 jours parce que la fête arrive, elle interrompt juste ce qui est en vigueur. Ce qui est en vigueur, c'est les 7 jours, ça interrompt les 7 jours. Si ce qui est en vigueur, c'est les 30 jours, eh bien, ça interrompt les 30 jours. Ok? On a tout expliqué. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Sela.